Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de notre aventure sur Hogwarts Legacy. Nous avions hier avancé la quête principale, nous étions allés dans une grotte, plus précisément dans la forêt interdite, chassés par des araignées à la recherche de pages manquantes d'un livre, et nous avions rencontré le portrait de Percival qui nous a demandé de revenir avec le livre plus tard. Au niveau des quêtes, ça nous a débloqué le cours de vol, là on va pouvoir manier le balai, ça tombe bien, je viens de faire le ménage à la maison. Donc je suis un véritable professionnel. On a aussi pour apprendre Repulso, les clés du dédale, on continuera à les faire du moment qu'on va explorer Poudlard. Et le spectre de notre amant, je vous encourage, on va aller faire ça. On va se faire plaisir, on va faire une petite quête secondaire. C'était la carte qui représentait une énigme. C'était dans l'inventaire plutôt. On avait une petite énigme qu'on avait eu en même temps qu'on était allé au cimetière pour la quête principale. C'était ça. Ici, ça semble être l'entrée de la forêt interdite. Avec un Lumos, on semble sur le pont pouvoir débloquer quelque chose. C'est ce que l'on va faire. Donc, on va aller à l'entrée de la forêt interdite directement. Petite aparté aussi par rapport aux vidéos YouTube. Sachez que quand j'upload les vidéos YouTube, YouTube met par défaut un nombre de pubs que je ne regarde pas. Puisque, je sais que vous en êtes jamais plein sur les autres séries. Mais apparemment, sur les vidéos d'une heure, il charge énormément en pub. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même mettre les publicités, c'est-à-dire essayer d'en mettre le moins possible. Forcément, YouTube mettra moins en avant l'aventure auprès des nouvelles personnes, mais c'est pas grave. Il y a plus important que les pubs et un petit peu d'argent dans la vie. Il y a aussi le plaisir de votre visionnage qui passe avant tout. Donc sachez que je vais checker, j'essaierai d'en mettre le moins possible pour que YouTube accepte et on sera bon. Donc on sera bien. Merci de m'avoir fait remarquer. Je ne regarde jamais ça, vous savez que moi je ne regarde pas du tout mes contenus. Donc merci à la personne qui me l'a fait remarquer sur une vidéo juste avant. On en est là, merci en tout cas pour les pouces bleus, pour vous abonner gratuitement à la chaîne, ça soutient déjà énormément, pas besoin d'en rajouter avec des milliards de pubs que YouTube vous impose parfois. Alors, on va partir, on va prendre la poudre de cheminette, on va aller sur la carte et on va s'en aller donc sur la carte du monde. Est-ce qu'on n'irait pas à Préolard là? Il y a quoi là? Épreuve de Merlin? On n'a pas quelque chose, quelqu'un qui peut nous vendre un truc? Parce que là c'est quoi ça? Ça c'est l'entrée de la forêt interdite? Bon, tu me diras, on va y aller. Faudra à un moment donné passer à Préolard pour vendre un petit peu tout le stuff qu'on a en trop. Et qu'on a justement pour pouvoir continuer et faire de la place. Utilisez la carte avec les bougies flottantes pour trouver le trésor. Faut faire un Lumos. Lumos. Des bougies enchantées? Oh. Je me demande où elles vont. Ah aussi simple que ça. Attendez, il y a une petite lettre. Ma chère Apollonia, que dirais-tu de me rejoindre le temps d'un pique-nique? Je sais que tu apprécies les chaussons de Cornouaille, presque autant que les bons mystères. À très bientôt, j'espère. Bien à toi, Richard. Mais écoutez, on va aller... Hop, faut les suivre. Allez, c'est parti. Quête secondaire qui nous amène directement dans la forêt interdite, que j'ai trouvé absolument magnifique. Hier, on est allé dedans et c'était assez sublime, l'ambiance. Les bougies semblent nous mener jusqu'à la forêt interdite. Ah forcément. Alors on a débloqué les talents aussi hier et ça fait plaisir. Poussez-vous les poulets s'il vous plaît. Ah merde, ils sont passés où? Ah, ils sont là. Ils se sont téléportés. Je les avais pas vus. On peut les faire accélérer? Oui. Allez les bougies, elles vont nous amener dans un piège. Je le vois gros comme une maison. Ok. Ah, il y a un ennemi ici. Un petit chien. Hop là. Le trésor ne doit pas être loin. Ouais. On a été vu que ou pas? Certains trouvent ça romantique d'aller pique-niquer dans la forêt interdite. Ah, c'est là. J'adore les chasses au trésor. Écharpe de chercheur de chasse au trésor. Ah, voilà. Alors qu'on a un loup là-haut. Hop. Il est où? D'ailleurs, je suis en train de voir que ça, c'est pas ouf ce que j'ai créé là quand même. C'est-à-dire que là, il vaut mieux qu'il y ait ça. Voilà. Levioso, action, incendio. Ah oui, non, mais là on rigole pas du tout maintenant. On rigole pas du tout. Mais proche du niveau 20. Ok, c'était sympa, ils avaient fait un petit pique-nique là. Ouais, sympa. J'ai cru entendre un énorme bruit. Comme un bruit de troll, mais bon. Il y a des petits cerfs, on a une superbe forêt interdite qui est en train de se plonger dans le noir. Est-ce qu'on a quelque chose? On y était allé là-bas, non?
Bon, moi j'ai envie d'apprendre à manier le balai, donc on va y aller. Hein. Ouais, là on était déjà, je crois qu'on avait fait ça. De mémoire, il y a des œufs. Bon, écoute, on va voir, on est à côté, on va y aller. Hein. Allez, feu. Voilà, bah le coup c'est vrai que c'est sur les trucs comme ça, ça leur fait très mal. Hein. Voilà. Pouvoir se faire plaisir, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ok, il y avait pas de coffre. Revelio. À moins que ce soit le début d'une quête. Ou qu'après on puisse y repasser, on verra. Il y a l'air d'avoir ici d'autres... d'autres araignées. Boum. Non, je pense pas qu'il y avait quelque chose à faire ici. En train de se chercher. Ah, apparemment parlant, si on peut monter par ici. Ah, il y a l'air d'avoir quelque chose. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Mais vous le voyez sur la minimap. Là, il faut monter. Est-ce qu'il faut passer par là-bas, de l'autre côté? Avec le château, on va aller voir ça. Et puis ensuite, on va aller prendre les cours de vol. Parce que si on peut débloquer le balai pour se balader à travers, eh bien, les différents endroits, ce sera vraiment sympa. Incendio. Hop là. Non, je pense qu'ici, c'est l'endroit où on est passé au tout début. Hein. Ah, à moins que c'était ici pour accéder au plus haut. Ah oui, ça a l'air d'être ça. Il fallait les battre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique, des cerfs-volants. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! C'est stylé ça! C'est une épreuve? Hop là, on voit là un petit truc. Toujours un plaisir, hein. Il est où? Il est en bas, lui. Les vieux sont. Je veux pas tomber. Action. Incendio. Hop là. Ah, c'est sympa, mais on peut pas le faire. Je pensais qu'on pouvait faire quelque chose. Levioso. Ouais, je pensais qu'on aurait pu peut-être faire nous aussi du cerf-volant. Il y a quelque chose. Rebellion. Ah, si, il y a une petite page, d'accord, ok. Oh. Caramel à l'Aliosti, confectionné avec les feuilles d'Aliosti. Ce caramel est une délicieuse confusée qui provoque des fous rires incontrôlables. Ouais, mais ça donne bien envie d'en manger. 80 d'XP. Ah, on a une petite épreuve de Merlin. On va aller faire bien volontiers ici. Levioso. Action. Ok. Et on a donc une épreuve de Merlin que l'on va faire. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Ah ouais. On le sait, on le sait. Action. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah! On a pris un niveau. Expelliarmus, incendio. Ça a l'air d'être de l'incendio, non? Rebellio. Incendio. Ah, pas vraiment. Levioso. Non? Action. Expelliarmus. On n'a pas, à mon avis, on l'a pas. Parce qu'on n'a pas le sort pour le faire. Dommage. Ah, il y a des petits trucs, des collectibles ici. On va aller les prendre. On reviendra pour l'épreuve de Merlin une autre fois. Hop. Des chrysopes. On va les prendre. Et il y a l'air d'avoir un petit combat en bas qu'on va les faire. Et ensuite, on va donc... Hop. Hop là. Ils sont morts? Ah oui. Oh, mais ça a été très très rapide. Non mais là vraiment là on est... On va passer un petit cap. Vaille de Préolard. Oh, on est juste à côté de Préolard. Oh, bah, écoutez, on va aller vendre nos deux petits trucs. Non mais ça c'est fou par contre qu'on puisse aller de l'un à l'autre sans comme ça tant de chargement. Rebellio.
en totale ouverture. Je trouve ça exceptionnel. Ah bon, on arrive à Préolard comme ça. Bah très bien, on va les vendre. Hop. J'ai hâte d'apprendre quand même le sortilège à l'Ohomora. Toutes les routes mènent à Préolard. Pour pouvoir Hop, qu'est-ce qu'on a là? Il nous faut une boutique. Pour pouvoir ouvrir toutes ces serrures un petit peu. Hein. On va aller chez Zonkos. On va aller vendre ici. Il est où? Il y a une quête secondaire là-bas. On ira voir ça. Ça charge là. On sent que ça charge là, ça. Ok. Ok, ok. C'est pas là où on va aller. Je vais refaire ça. Les défis. Au niveau des défis, on est bon. Combat. Fini un défi là. Allez. Vaincre 20 chiens. Et là, ça fait quoi? Protection lupus. D'accord, ok. 24% des quêtes. On est loin quand même d'avoir tout débloqué. On a eu cette petite lettre d'amour. Ok. Et la collection. On a débloqué. D'ailleurs, on a débloqué un petit chapeau qu'apparemment je peux équiper. On va aller voir ça, mais. C'est quelque chose qu'on n'a pas découvert. Donc là, c'était quoi? C'était découvert ici. Ok. Dans l'inventaire. Non, dans les chapeaux, on a quelque chose qui est mieux. Ah, mais on l'a peut-être déjà mis. Hein. Chapeau de soleil. C'était pas un chapeau qu'on avait découvert? Ah, on peut pas savoir ce que c'était, d'accord. Parce qu'on avait résolu une énigme juste devant Poudlard, on savait pas ce que c'était. Revelio. Ah, quelque chose ici. Tonneau de bière au beurre. Ces tonneaux contiennent de la bière au beurre, une boisson de sorcier populaire. Elle peut se déguster froide ou chaude et faiblement alcoolisée. Elle a tendance à faire tourner la tête des elfes de maison bien plus que celle des humains. Et donc il y a une quête qui est ici apparemment. On va aller voir. Elle est donnée là-dedans. Ok. Écoutez, on va aller la prendre et on va aller surtout vendre aussi. Moi j'aimerais vendre. Voilà. Clémentine? Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose? Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. Ah bah, il est toujours interdit, ma petite, hein, Clémentine. On entendait d'horribles histoires à son sujet. Et depuis, j'en ai développé une véritable phobie. Ah. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Ah oui, je vais te le découvrir, ça vous détourne un passage à la forêt. Vous pourriez le découvrir? Oui. Vous voulez que je suive les papillons? Oui, c'est ça, si ça ne vous dérange pas. Très oui. Bien. Si j'ai le temps, je verrai où ils mènent. Ouais, au détour d'une quête. C'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Gentil. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous Ah, c'est une alcoolique, bientôt. Hein, Clémentine. On est bien. Aux trois balais, on se fait plaisir, apparemment. N'oubliez pas, les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Ah, l'orée. Par contre, il me faut absolument un vendeur, quoi. C'est. Moi, je me balade, mais à un moment donné, il faut un vendeur, quoi. Revelio. Ah. Ça a glingué. Un petit pluie. Puis à eau, les voyageurs à aviser savent que certains puits ont plus à offrir que ce puits d'eau relativement normal du village de Préolard. Alors là, j'ai pas la ref. Il doit y avoir une ref avec le puits par rapport à Harry Potter. J'ai pas la ref. Là, je ne l'ai pas. J'en ai quelques-unes, mais celle-là, je l'ai pas. Ah tiens, bon, on va aller là. Ça, c'est un marchand. Entrez, ne soyez pas timide. Ah, mais je ne suis pas timide. Qu'avez-vous à vendre? Attends, mais je peux pas vendre ici? Revenez quand vous voulez. Ah ouais, non, mais là c'est terrible. Je pensais qu'elle allait pouvoir nous vendre un truc, elle. C'est ainsi, je ne vais pas plus. On va aller par en bas. Y'a quoi là? Lui, il vend des trucs, lui? Bonnet Dukes. Ça, c'est pour les. Revelio. Ah, ça a glingué. Ok.
Aengis de Wardcroft. Cette statue est celle d'Aengis de Wardcroft de Poussouf, dont on pense qu'il a fondé le village de Préola après avoir chassé de chez lui par les moldus qu'il persécutait. D'accord. Putain, j'ai des baisses de framerate, c'est fou. Je l'entends par là. C'est dingue les baisses comme ça de FPS alors qu'on n'en avait plus du tout. J'ai l'impression que c'est plus tu charges d'endroit, plus c'est comme ça quoi. Non, c'était bien ici hein. Pour rentrer là. Ouais, c'est bien là. Décoration du magasin de thé. Ce magasin de thé avec ses couleurs roses et ses fioritures est le reflet des goûts de Madame Stipley. La propriétaire, une cloche à grelot sonne chaque fois qu'un client sonne la porte. Bon, ce qui est fou quand même, c'est que là on a aucun truc. Je vais mettre un endroit pour aller vendre. Hein. On va aller à Guéchiffon. Hein. Hop là. Hop, on est bon. Ah, mais c'est parce qu'on a le raytracing ou pas là? Non, on n'a pas le raytracing pourtant. Tu te montes la tête, personne ne te regarde. Je vais regarder quelque chose. Je vais regarder si dans les paramètres graphiques on l'a. Ça me paraît bizarre là ce qui se passe quand même. Non, pourtant c'est désactivé. Qualité de peuplement extrême. Ouais, mais ça a toujours été comme ça. Bizarre qu'on ait ça. Après, j'étais pas retourné à Préolard depuis un moment. Pourquoi m'en avoir acheté une deuxième paire? Je hais ces chaussures. Mais bonjour. Si vous avez besoin de quelque chose. Mais je veux vendre. C'est ça qu'on n'a pas pu avoir. Vendre 200, mais on sait pas ce que c'est. Tu vois? Tu disais que le sortilège serait centré au lavage, mais c'était faux. Ah, qualité exceptionnelle, mais ça pareil, on sait pas ce que c'est. Ok, je vais attendre, alors les... Ça, c'est une baisse de 39. On pourrait pas rapporter ces chaussettes à Monsieur Hill et en acheter des normales. Ok, ça ne bouge pas, c'est baisse, c'est moins bien. Faisons de la place, on est à 12 000. Ah, mais là, on est vraiment très riche. C'est vrai qu'on peut enlever les enchantements d'un objet en le lavant. Ne sois pas ridicule. Cette ah mais ça après, est-ce que vraiment ça vaut le coup là que je monte, tu vois, avec là un légendaire coûte 500. Uniforme légendaire 61, ça coûte 500. On a plus 17. Je crois deviner. Ah que honnêtement, je pense que c'est pas une bonne idée de vous acheter quelque chose. Je te le dis. Hop, on va à cheminette. On va cheminette, carte du monde, on va aller. Carte du monde, on va aller à Poudlard. Ou sinon, on va à l'entrée de la forêt interdite, puisque c'est là. On va prendre la cheminette, on va aller faire la quête secondaire. Et ensuite, on va prendre les cours de vol. Ouais. On va faire ça. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ah, voyager ouvre l'esprit. Ah, mais c'est elle qui dit ça, d'accord. Ok, on y est. Suivre les papillons. Papillons de lumière. Eh ben écoute, feu. Ils sont là, les papillons. Ah, les voilà. Elle disait la vérité. What the fuck? Découvrir bon, où vont les papillons. On a déjà bien avancé. Miss Willardsey aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Bah ouais, mais bon, là, je les suis. Hein. Ah, il y a un autre endroit. Où c'est pas du tout. Fallait que je découvre où ils y vont, là. Oh, j'ai fait de la daube. Ah, j'ai fait de la daube, je les ai perdus. Ah non, ils sont là. Nickel. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ça va, c'était à l'entrée de la forêt interdite. Elle aurait pu quand même y aller, quoi. Ça va nous arriver. Ça va nous arriver à où, là, encore une fois? Qu'est-ce qu'on va nous faire faire? On y est. C'est ici. Ok, on les suit. Ah, un coffre. Tiens. Horloge sur pied. Oh! Retournez voir Miss Willardsey. Eh bien, on va y aller. Carte de Préolard. Hop. Poudre de cheminette ici. Hop. Ah, c'est quand même pratique, hein, la poudre de cheminette. Faut le dire, hein, on est un sorcier, on utilise les technologies qui sont à notre disposition. C'est vrai, la poudre de cheminette est bien sympathique. Voilà. Ouais, tu vois là, j'ai aucun ralentissement, c'est vraiment nickel. Donc il y avait vraiment un problème, je pense, quand tu charges trop d'endroits. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse. Ah oui, j'ai une réponse. Bonjour, Miss Willardsey.
Alors, que s'est-il passé? Vous les avez trouvés? Oui! Oui, oui! Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Oh, peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Ah oui! Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli... Oh oui, quelque chose de joli, bien sûr. Et on est bon là, madame? La quête est terminée? Collection mise à jour jardinière. Et terminer les quêtes annexes, on est à 6 sur 10. On est proche du niveau 21. Ah, c'est quand même plus plaisant quand on a 70 FPS. Revelio. Ah, pas mal. Ici, on a pas mal avancé en termes de recherche. Hein. Ah, ça a glingué juste là. Ah, mais c'est à l'intérieur. Fuck it. C'est quoi ici? C'est verrouillé. Eh ouais, on peut rien en faire. Bon, allons faire la quête principale. Parce que là, on a quoi comme quête? On a devoir du professeur. Donc ça poule là. On va faire ça. Donc du coup, c'est parti. On va manier le balai. Ah là, par contre, ça c'est un vrai moment de bonheur. Je me demande comment ça va être. Je suis impatient. Ici, on n'avait pas pris le passage. On va aller à l'entrée ici, il y a... Ah, sinon on va là, non? Salle du... Pour moi, là, c'est la maison de Hagrid. Ouais, c'est la maison d'Hagrid. À la sortie de Poudlard, salle des créatures. Ouais, c'est là où donner les cours de Hagrid, justement. Hop là. Ah, que c'est beau. Que c'est beau. Ah là 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 là, on a les cercles et tout qui ont été mis en place. Est-ce que c'est pour le vol? Bonjour madame. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente. Qui sera le premier à tomber de son balai, vous pensez? Je sais pas. Balai, que l'on puisse commencer. Oh là là, ça va être trop bien. Ah ouais, voler, ça va être top ça. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, madame Kogawa. Debout. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément debout. Dans votre cours de vol. J'ai le debout solide. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, oui. Je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. On ne peut pas jouer au Quidditch. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien. Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée. Ouais, debout. Ensuite, enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Oh là 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 là. Merci. Bien. Bon ça, merci. C'est à vous. Debout, 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 saleté de balai au rabais. Debout. Olé ! Debout ! Allez, faut l'enfourcher là. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Allez, 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 allez. Oh oui ! Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Eh bien, let's go! Oh! Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. J'avais mon propre balai. Oh, le plaisir! C'est génial. Ah ouais, non, mais c'est génial! Moi, je regarde aux alentours. Ouais, c'est top, ça! Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. Feu, vas-y, t'inquiète pas, moi je conduis le balai, je te le dis, je passe, ça va vite. Hein. Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue! Ah ouais, la vue est incroyable. Belle journée pour voler. Allez! J'y arrive. Olé! Oh, le plaisir!
Et du coup, on n'avait pas découvert par là. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Eh ouais, bah ouais, ça c'est dommage. La tradition de Poudlard. Alors. Par contre, on peut accélérer ou pas là? Parce que moi j'ai l'impression que mon balai c'est pas un Nimbus 2000. Hein. Non, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps. Ah, le calamar. Le calamar géant, le fameux. Qui ne fait pas d'apparition, je crois, dans les films. Et pourtant que... Ah! Dans les livres, ils aiment nourrir. Ils vont pique-niquer au bord du... Vous avez vu un peu? Oh, le plaisir tout autour du château. Bravo. Hey, tu peux te parler? La musique est incroyable. Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'un griffon d'or comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Allez! On va pas avoir d'ennui là? Madame Kogawa a l'air sévère. Je ne veux pas avoir d'ennui. Kogawa ne se rendra compte de rien. Et puis, un oiseau n'apprend pas à voler en restant au nid. Suis-moi. Ah oui, d'accord, j'ai pas le choix quoi. Va bientôt commencer. J'ai pas le choix. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. Hop là. Oh, le plaisir de voler autour de Poudlard. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Ouais, c'est sympa. Hein ouais, je te suis facilement, donc il faut les accélérer. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf Souffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Oh là 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 là. Pour voler aussi vite. J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Ah, on peut accélérer. LT, pointe de vitesse. Ah oui. J'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Ah ouais, on peut accélérer. Il y a une jauge en bas à droite, d'accord. Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Un conseil de vol et une balade autour ouais, de Poudlard. Tranquille, hein. C'est une vraie visite guidée, Everett. Ah, et le... Aïe, 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 magnifique le château. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. Et le terrain de Quidditch. Allez, faut rentrer. Aïe, 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 le plaisir. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici. Comment je descends? Ah. Je peux pas descendre là? Ok, d'accord. Ah ouais, moi j'étais sur mon balai, j'étais en forme là. Alors, où étiez-vous tous les deux? Oh bah pas un petit tour là. Oh bonjour professeur, on essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Allez, cela hop. Va vous coûter beaucoup de super points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ses leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Ah bah voilà. Professeur, c'est... Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Ah, désolé, madame. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Ouais, ça va, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Et par contre, j'ai pas mon propre balai, moi, je veux mon propre balai aussi. Est-ce que ça va être ça? Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Ouais, carrément, c'était très sympa. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wicks chez Beauballet à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai.
Eh ben écoute, on va y aller avec grand plaisir. Là, on va y aller avec grand plaisir. Terminer les quêtes principales. On en est où? 22%. Ça va, ça va, ça va, ça va. Tac. Petite récompense d'apparence. Tenue renforcée légendaire. Ouh. On a un masque. Ah, je la trouve pas superbe la tenue renforcée. Pour la quête principale, je la trouve pas exceptionnelle. Donc là, il nous reste quoi? Encore 8 quêtes et derrière, peut-être encore 18 quêtes, on va dire, principales. Là, on en a fait 16. Ah, quand même, on avance assez vite. Hein. Et en quête. Ouais, ça va, on est bien. Ok, 71% de guide du sorcier. Par contre, ça, on l'a poncé. Hein. Le guide du sorcier. On l'a assez bien trouvé. Alors. Si on peut aller chercher, on va voir la quête principale qui nous est donnée. Si on peut avoir un balai, bah écoutez, je vais aller le chercher. Ça nous permettra d'explorer un petit peu aussi le monde et de se balader plus rapidement sans prendre trop souvent la poudre cheminette et de tomber aux quatre vents sur des petites quêtes un petit peu cachées ou des petits trésors un peu perdus ici et là. Hop là. Alors, quête. Bah là, on n'a plus de quête principale. Est-ce que... On va en avoir une autre qui va apparaître, je pense, hein. Le plaisir quand même d'être là baladé, on voit les gouttes de pluie qui tombent sur oh là là, c'est si bien fait. Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Quoi? Des sortilèges interdits? Bonjour à vous, j'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir aux potions pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces. Ah, il s'entraîne au balai, lui. Dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Qu'est-ce qui galère sur son balai? Voilà. Oh là là. Ouh, ouais, GG là. Action. Alors, on a eu des quêtes, je sais pas ce qu'elles sont. Alors, on a quoi? On a une quête principale dans l'ombre de la crypte et la salle sur demande. Récompense, sortilège d'invocation, Evanesco et création d'invocateur et une livraison urgente. Assister au cours de vol, terminer la première épreuve de gardien. Rejoindre, ok, d'accord. Et là, livraison urgente. J'irai bien là-bas si en plus après Olar il y a moyen de. D'acheter un petit balai. Faut aller à Beauballet, c'est où? C'est ça là? Tir de sport, Beauballet, bah c'est juste à côté. On va prendre la poudre de cheminette, on va aller voir. Rah, le plaisir hein, quand ce sera d'avoir son propre balai, de pouvoir voler à travers la map sans être. On va dire soumis. C'est plus accueillant que Préolar. Ok. C'est ouvert ou pas? Parce que... Un beau balai, j'y vais avec plaisir. Oh oui. Je prends. Article de sport de Beauballet. Cette boutique animée de Préolar est tenue par Albi Wix et propose toutes sortes d'articles. Eh bien voilà. Ah. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Wix, c'est ça? Albi Wix à votre service. Bienvenue à Beauballet. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. Wow. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai? Carrément. J'ai quelques rares tresses d'if en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Y'a pas un Imbus 1800 là? Vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Merci d'avoir pris, vous avez dû fermer pour ne... Qu'avez-vous à me dire sur le balai? Non mais on va... Ouais, je vais jeter un coup d'œil. Vous là. Avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Alors on a quoi? On a combien Qu'est-ce de balais différents aujourd'hui? Oh! Alors on a le balai brise filante. On a le balai de la maison de Poudlard. Ok, le balai enchanté à test de votre fierté d'appanir à Poudlard. En freine et conçu stabilité optimale. Brise légère. Ou tisseur vif. C'est le même prix. Hein. Cet article est d'excellente qualité. Ouais. Ouais, sympa, sympa. Bon, avec les petites... là, ça fait livreur, quoi. Là, ça fait vraiment à l'ancienne. Et là, ouais, je vais prendre Cet le Poudlard. Cet article est d'excellente qualité.
Ah, je vais prendre celui-là. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Eh ben voilà. Merci de votre visite. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par améliorations pour votre balai. Ah bah bien Allez-y, sûr. J'écoute. Ah, je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Oui. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. Intéressant. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Oui. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Ah, elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, ouais, je vois le genre. Revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? Bah, avec grand plaisir, je vais y aller. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Ça m'intéresse. Merci, ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Ah bah, j'espère bien, si c'est grâce à moi. Devrait être tout aussi amusante. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Oh, terrain de Quidditch, avec grand plaisir. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le Revelio. Oh, le coffre. Tenue en pull gris. Oh, hop, 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 hop. La tenue en pull gris qui vient de donner un petit bonus. Ah, elle est sympa en plus, le pull gris. Très sympa. On prend avec grand plaisir. Ok. Équipement, donc du coup. On a le balai en plus. Et là, on a quoi sur l'amélioration couvre-chef ? Ah, c'est pas bien, quoi. Ok. Bon, bah on a acheté, on est bien. Et on a quoi ? On commence à avoir des quêtes, une quête secondaire, on va aller la faire. On va faire la quête, on va faire la livraison, on va faire le on va faire des quêtes secondaires aujourd'hui, on va avancer là-dessus. Et demain, on reprendra les quêtes principales. Ah, on ne peut qu'admirer l'enthousiasme de Monsieur Wicks. C'est trop beau. Le balai. Avec, on le voit donc, soif. Hop là. Les cognards, c'est ça ? Cognard ou cognard ? Non, cognard, hein, si je dis pas de bêtises. Les tenues de Quidditch, oh, les belles tenues, Gryffondor, magnifique. Ouais, avec le vif d'or, oh, il y a un vif d'or, je crois qu'on n'avait pas vu encore de vif d'or. Hein. Ah, super. Oh, tous les détails, c'est tellement travaillé, je suis comme dans un rêve, vraiment, ils ont fait quelque chose de fou. Est-ce qu'on peut voler ? Ou est-ce qu'il faut que je me téléporte avec la poudre cheminade ? Je pense qu'il faut, peut-être que j'aille la voir d'abord, voir la carte du monde. C'est là-bas. Bah écoute, on va aller là, c'est le plus près. J'aimerais bien voyager avec mon balai, quoi. J'aimerais bien le prendre en main et tester un petit peu, voler à travers, les alentours de Poudlard. Le guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravi d'y avoir été. Yeah, c'est un sortilège ou pas ? Ça a pas l'air d'être un sortilège. Ouais, sortilège impardonnable. Impero, sortilège impardonnable. Ça, ce sont les sortilèges impardonnables, c'est terrible. Sortilège d'invocation. Ouais, les sortilèges impardonnables, je pense que pour le roleplay, je ne les apprendrai pas. Je peux pas utiliser mon balai, là ? Mais il est où, ce balai, là ? Il est dans l'inventaire ? Comment je fais pour utiliser le balai ? L'équipement, peut-être ? Bah, il est là ? Non, je l'ai pourtant, là. Ce balai enchanté atteste de votre fierté. Faut rester appuyé sur B, peut-être ? Non. Revelio. Ah, mais c'est peut-être un sort, non, pour l'appeler. Axio. Non, là, c'est les Confringo et compagnie. Ça, c'est quoi ? Wingardium Leviosa. Incroyable qui est le Wingardium Leviosa. C'est pas là ? Stupéfix. Approchez-vous sans faire de bruit et appuyez sur X. Ok. Magie ancienne. Bon, ça, on l'a déjà vu. Lancer de magie ancienne, lancer de base, Revelio, Stupéfix et Protego. Non, donc c'est pas là, mais il est où notre balai là ? Ah, on est obligé d'y aller à pied alors. Ah, mais dans ce cas-là, je vais me téléporter à côté. Je pensais sincèrement qu'on allait pouvoir l'utiliser directos. Ok,
Carte de Poudlard. Et on va aller se téléporter ici. Hop là. Ah, il y a une quête secondaire ici. Plateau d'attraction duel. Ah yes, le plateau d'attraction. Il y a pas mal de quêtes secondaires, hein, quand même, faut le dire. On avance tranquillement mais sûrement. Je crois qu'on est, on est au 12e épisode. Et on avance quand même, hein, mine de rien. Bon, sur la quête principale forcément aussi, mais sur la quête secondaire. Ah, le terrain de Quidditch. Let's go. Moi, je veux voler avec mon balai. Peut-être que c'est elle qui va nous apprendre. Parce que là, j'ai acheté mon balai, mais je peux pas m'en servir. C'est une déception totale. Hein. Olé. Ah, ça fait plaisir. Appuyez sur LB plus B pour équiper le... Ah, d'accord. Mais il est où? Ah, il est là et j'appuie sur B. Ah, c'est que j'étais dans une zone où on pouvait pas le faire. Salut, Gryffondor. L'atterrissage n'est pas disponible. Ah, mais ça, c'est trop bien, c'est dans la roue. Imelda Reyes, Albi Wix m'envoie. Ouais. Ah, vraiment? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol. Ah, mais Imelda, tu vas pas assez vite sur le balai. Quelle audace. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai? Tu viens à peine de commencer à voler. On est rapide comme l'éclair. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Ah oui, mais je vais très vite, je vais très vite. Je ne sais pas ce que racontent les gens, mais je ne fanfaronnais pas. Va dire ça au reste de l'école. Mais ça n'a pas d'importance. Ouais, mais c'est une serpentard, ça. Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Allez. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Ah, on voit bien, eh bien le serpentard, là. Peut-être le cas. Aïe, 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 hautain comme ça, honteux. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Oh. Mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. Ah bah, vas-y. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras. Ah bah ouais. Serpentard contre Gryffondor. Ouais, avec plaisir. Allons-y. Après tout, pourquoi pas? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de te voir perdre. Oh la pression. Oh la pression. Ok, 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 ok. C'est parti. Let's go. Alors là, on va y aller à fond. Ça y est. Fantastique. Oh le bonus. Oh le bonus. Non, lent comme le... Allez, allez. J'en ai raté un. C'est pas grave. Non. Ah, j'en ai raté un. Il va falloir que je m'entraîne. Vous quittez la course, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ah là, c'est plutôt amusant. Je suis à balle, hein. J'ai pas pris les bonus. Ah là, je peux boost autant que je veux, en fait. Non, 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 non. 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 Oh, c'est la cata. C'est la cata. Hop là. C'est la catastrophe. C'est la cata, là. Là, c'est une... Mais attends, mais j'arrive pas à monter. Oh, mais c'est une catastrophe. J'arrive pas à monter. Votre temps, meilleur temps. Arrivé. Oh là là. Très très nul. Hein. C'est une cata. Ah mais vaut mieux rater la porte. Ah oui d'accord, vaut mieux rater la porte. Hein. Allez, 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 allez. Meilleur temps, c'est 2-20. Oh, on est mort, on est mort, on est mort. On passe au-dessus de la... Non mais trop bien, on passe en plus au-dessus de la gare. J'ai raté. 9 secondes de pénalité, quoi? Mais c'est une blague. J'ai réussi. Mais j'ai rien réussi du tout. On est lent comme je sais pas quoi là. 2-0-5, c'est cata là, c'est perdu. Oh mais j'ai perdu au moins 20 secondes. J'ai perdu 20 secondes. Ça y est, je me balade là. Oh, 19. Il va falloir refaire. Bah, c'était là la ligne d'arrivée. Magnifique. Je peux faire mieux que ça. Ah, je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux.
Aïe, 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 on a été lent. Attendez voir Imelda. On dirait que je suis toujours la championne en titre. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux réessayer? Bien sûr que je veux réessayer. Si tu es prête, moi aussi. Je pense qu'il y a eu une erreur. Je pense que mon balai a été truqué. Il y a eu un sortilège qui a été lancé. Je le dis haut et fort, il y a un sortilège qui a été lancé. Ça y est. Allez. Oh, j'adore cette sensation. C'est maintenant, c'est maintenant. Ok, on prend pas la pénalité. Ok, on est pas mal. On est à balle, on est à balle, on est bien, on est bien, on est très très bien, on est très 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 bien. Ah ben voilà, mais là il y avait eu un bug là. C'est là où on nous avait lancé un sortilège. J'y suis arrivé. Non, non. Oui. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Il faut y aller, il faut accélérer là. Il faut, faut qu'on accélère là. Fantastique. Oh, mais y a pas photo là. On est rapide comme l'éclair. Là, c'est le record du monde total. Oui, 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 oui. C'est plutôt amusant. Je prends la position, je prends la... Là, c'est les... c'est toutes les heures de biathlon qui payent, là. Là, on est... bien sûr. Bien sûr. Les courbes sont optimales. Ah oui, oui, oui. Oh là 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 là, c'est sublime. C'est sublime. Génial. Oh, c'est une... Oh, mais... C'est beaucoup trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. Boum! 1,42. Qu'est-ce que tu vas faire, Imelda? Qu'est-ce que tu vas faire, ma petite là? Dis-moi. C'est... T'as dû tricher. Ouais, ouais, tu... bien sûr. D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire des preuves si tu veux gagner mon respect. Très bien. Très bien, je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Irondale est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albi Weeks. Ok. Voilà donc la personne à battre à joute magique. Et donc là, on a quoi le classement des courses? 1,32 0,8. Monsieur Weeks sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti. Ruby Will? Je connais pas du tout, parce que c'est un joueur de Quidditch quoi. Bon, on verra ça. On va se téléporter. On va retourner donc à Préolard. Lui rendre la quête. Et avoir les améliorations. On a dû refaire la course quand même une deuxième fois. Je soupçonne un petit sortilège quand même pour m'avoir fait rater la course. Ça s'est pas joué à beaucoup de secondes, mais... Toutes les routes mènent à Préolard. Ouais, je soupçonne que c'était moche. C'était très très moche. Bonjour. Ah, vous voilà. Avec des nouvelles, j'imagine. Oh oui. Monsieur Weeks, j'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable. Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai? Nul. Il est un peu turbulent. Ouais, un peu nul. Et il recherche beaucoup la vitesse, mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. Très bien. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Très bien. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité? Donc là, t'as pas d'amélioration, c'est ce que tu veux nous dire, quoi. Ok, par contre, on va vendre ces dos basses, quoi. Ravi de faire affaire avec vous. Voilà. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Bon, on est bon, là.
Notre quête secondaire terminée. Dans l'ombre de la clé, la salle sur demande. Professeur Sharp, Repulso, les clés du dédale, livraison urgente. On va aller faire ça là, c'est après au lard, donc autant en profiter. Revelio. Ouais, toujours plein de choses. Ah, la quête est ici. Stock, 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 stock. Ah, les potions en plus. Non, j'allais dire c'est pas là, mais. Les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Ouais. Prenez le temps de regarder. Qu'est-ce que t'as à nous vendre? T'as une potion? T'as quoi? Potion maxima, bro. Concentration, ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Outil de combat, concentration, bon, ouais. Edurus, invincibilité. Ça, je te les achète. C'est une sage décision. Merci. Les dégâts infligés, je t'achète aussi. Invisibilité, on s'en fout. Concentration, temps de recharge des sorts. Faut aucun orage autour de celui qui la boit. Alors assez fort ça, mais c'est cher. 1000 balles. J'espère vous revoir très vite. À bon, bientôt. Pipin. Bonjour, monsieur Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison ? Apparemment. Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Ah oui ! Qu'avez-vous besoin de livrer ? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même, mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Eh ben voilà ! Elle se plaint de la qualité de mes potions. Eh ben voilà ! Comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment ? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirai avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Allez. Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis. Ben, j'espère aussi. C'est une potionniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Ouais, il se passe un truc entre les deux là. Apporter 3 potions d'invisibilité. Bon, on les a les 3, je crois. Faut lui ou carte du monde là. C'est par où? Ah oui, c'est loin quoi. Ah, mais là on a quelque chose là. On va voyager, on peut sortir le balai. C'est vrai qu'on peut sortir le balai maintenant. On va sortir le balai pour y aller. Let's go, on va aller faire la livraison. Je me demande qui y vit. Olé. Oh, ça c'est trop bien ça. Mais ça c'est exceptionnel. Ah ouais, pouvoir voyager comme ça là. Ah ouais. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, on va pouvoir tout explorer avec le balai. Franchement, ça c'est incroyable. La liberté de pouvoir se balader comme ça, c'est vraiment top. Vaincre un chou mordeur de... Il y a un chou mordeur là ? Ah, vaincre un ennemi avec un chou mordeur, d'accord. On se balade. Il y avait pas des... J'ai vu des ballons ici, on peut les péter, ça sert à quoi ça ? Oh ! Oh, trop bien, c'est stylé en vrai. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Olé. Ah, on s'amuse comme on peut avec un balai. Hein. Ah, il y a un truc là. C'est un camp ça. Ah, défi bloqué, éclater des ballons. Oh. Moi je vais pas. On va pas partir sur une baston maintenant. On va aller livrer les potions. C'est vraiment top quoi. Pouvoir se balader comme ça. C'est tellement dingue. Quel jeu incroyable. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Donc là on est à Pont-Désir. Un peu d'or, ne... Rebellion. Ok, on a plein de choses. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Objet pour tête non identifié. Ça, c'est fou d'avoir des trucs non identifiés comme ça.
La maison penchée, les locaux appellent cet endroit la maison penchée car elle repose sur des racines d'un arbre et est inclinée dans un angle bien étrange. Ah bah, comme d'habitude, hein. On n'est pas là pour niaiser, on est là pour... Là pour tout voler, hein, voilà, ça c'est... Coucou, c'est nous, quoi. On va aller prendre la poudre de cheminette, comme ça on l'aura pour la prochaine fois. Hop là. Quel plaisir de vous revoir. Petite épreuve de Merlin. Non mais d'accord, mais l'épreuve c'est avec quoi, là? Je ne sais pas. Petite bière en or là, voilà. Plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça, le bar du village, non? Racine de gingembre, le barman de Pont des Airs a toujours du gingembre sous la main pour soulager les nausées de ses clients et les pousser à la consommation. C'est du joli, ça. Ce pipin devrait déjà être là. Attendez, je... Ah! Une grosse boule. Est-ce qu'on doit la ramener sur le truc? Oh, avec ça, ça a l'air d'être carrément un axio, ça. Axio. Non? Ce pipin devrait déjà être là. Levioso. Levioso? Ah, j'avais bien envie de tester ça quand même. Axio. Oh bah, ça doit être Wingardium Levioso. Toujours en retard, ce pipin. Oh, toujours madame en retard, Lawang, doucement, madame. J'ai une livraison pour vous de la part de Potion Pipin. Oui. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Fatima, doucement. Il n'hésite jamais. Doucement, en faire le Fatima. Moins possible. Attention. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Voici les potions. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple? Oui. Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients et de renier les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Une noise? Allez-y, buvez-la. Quoi? Rien de plus simple. Je vais le faire. Attends, mais voilà, ça sent tellement l'arnaque, ça. On va encore se transformer en crapaud ou je sais pas quoi, là. Potion d'invisibilité. Ben, marche, la potion. Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire. Ah ouais, ben oui, ça fait l'affaire. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Eh oui. Jamais de la vie. Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres, nous avons dû nous débrouiller. Oh, Cosette. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Bon, un lentalent qui achète ses potions d'invisibilité. Hein. Très bien. J'informerai Monsieur Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Que proposez-vous à la vente? Que ça propose à la vente? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? C'est cher ou pas? Ce que tu fais ça, je prends. Très bon choix. Ouais, J'aurais opté pour la même chose. Ouais, tout le reste, j'ai déjà. Merci pour votre visite. Pas ouf, hein, ta boutique, hein. Je te le dis, mais... Je te le dis comme ça, mais pas ouf, la boutique. Hein. Ouais, ouais, vraiment pas ouf. Oh, des ruches. Le monde des sorciers a autant besoin de miel pour son thé que le monde des moldus. On a un coffre ici. Je prends. Hop là. Et nous sommes quasiment aux 1 heure de vidéo, les fameuses 1 heure visées. Voilà, on va pouvoir se stopper, on va aller prendre... Ah non, je peux pas prendre le... Ce qui est bien, ça, c'est que ils sont indiqués, hein, les coffres, et ça c'est plaisant. L'endroit semble être assez agréable. Livre de recettes de potions. Oh, ça, c'est pas mal du tout, ça. Regarde d'avoir un petit coffre derrière. Ah, il était dans la maison. Ok. Eh bien, écoutez, Pont des Irs, nous voilà. Nous avons terminé et nous avons des quêtes à rendre. Eh bien, avec cette petite pluie fine et cette nuit qui tombe, je vais vous laisser avec cette magnifique photographie. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'aventure.
Merci à vous tous de la suivre autant, autant voilà, j'ai envie de dire, ouais, assez régulier, j'espère que vous vous régalez. Et je vous dis donc à demain pour la suite de nos aventures sur Hogwarts Legacy.